soleil. Avec tes cheveux noirs sur ta peau dorée, fille du soleil, ton visage me poursuit, viens me retrouver. Comment l'amour. Cette chanson, Fille du soleil, c'était en 1988 et elle donnait le nom au premier album solo du Guadeloupéen Guilou, de son vrai nom Guy Adlaïde Lafage. Et celui-là même qui interpréta brillamment d'abord en 86 Reto Gadeo et Karukera dans l'album Jackie All Stars, ensuite en 87 Anne Nous Profiter et Femme dans l'album Jean-Jacques Gaston. Un parcours qui très logiquement eut vite fait de l'amener à l'album Fille du Soleil. Un album mythique, comme aime à le dire son auteur-compositeur. Parce qu'il a été le début de ma carrière internationale. Il a été réalisé sous la direction de Georges Décimus. C'est une production avec Georges Debs, ancien producteur du groupe Kassav. Et donc, à part Jacob Desvarieux qui n'avait pas pu être présent en studio, il y avait quand même Jean-Claude Nemo au clavier, il y avait Georges Décimus à la direction générale avec Michel Alibaud à la basse, Justine Bédroire au chœur avec Patrick Saint-Éloi, Jean-Philippe Martelly, Claude Vamur à la batterie. On avait les meilleurs studios de Paris, je travaillais dans 3 studios. Eh bien, je dois avouer que c'était très impressionnant et ça donne de l'assurance. Une assurance que viendra très vite renforcer l'album Couleur. Juste un an après Fille du Soleil donc. Produit par Tropic Music et distribué par Carrère Flarnache, à une époque où un certain Claudicia y officiait comme directeur artistique, Couleur sonnera comme une confirmation. Et la chanson Déjà ni soleil pour nous y était pour beaucoup. Chérie, pourquoi la vie fait qu'il est plus belle? Pourquoi le soleil fait qu'il est plus belle? Fort du succès et des heureuses retombées financières qui en découlent, Guilou décide en 1990 de s'essayer à l'autoproduction. Il sort l'album Abidjan pour une distribution Sonodisc. Pareil que pour Jésus qu'il sortira en 91 ou Born Again, autrement dit Né de Nouveau en 93, Lisa en 94 ou encore Black Dignity en 96. Toute une série d'œuvres donc très portées sur la religion. Je crois que c'était quelque chose de tout à fait prévisible. Depuis toujours, j'étais attiré par la question de notre origine, de la divinité et de la foi. Et puis, il y avait cette volonté aussi d'utiliser ma notoriété internationale pour promouvoir les valeurs spirituelles qui, de mon point de vue, sont des valeurs de vertu et qui rapprochent l'homme de Dieu plutôt que de l'animal, comme les scientifiques ont tendance à vouloir le faire. Depuis cette série, plutôt très spirituelle, et depuis l'album Courage, produit par JPS en 1997, la discrétion relative de l'artiste Guilou fera craindre ou jaser à son propos. D'aucuns croiront même qu'il a raccroché. En fait, il n'en est rien. Guilou est au Cameroun, où il vit depuis 1997, marié à une femme du pays. Et très bientôt, nous dit-il, il devra disposer officiellement de la double nationalité franco-camerounaise. En attendant, eh bien, il vient de gratifier le public, il y a de cela quelques semaines, d'une chanson à la gloire de Paul Biya. Ce qui n'a pas manqué de choquer certaines consciences. Oh, choquer certaines consciences, c'est tout à fait normal. Lorsque j'ai chanté Jésus, c'est l'amour de ma vie, j'ai encore choqué les consciences. Donc le manque de connaissances bibliques, le manque de connaissances spirituelles, peut amener des gens à avoir un jugement prématuré sur ma démarche. On peut par exemple penser que c'est de la flagonnerie, de la flatterie. Paul Biya, je pense que c'est l'homme de la situation. Mon combat pour l'Afrique a puisé sa source dans mon histoire et il se poursuit aujourd'hui au Cameroun. Il fallait bien un pays d'accueil pour héberger mon combat. Le Cameroun m'a offert cette chance. Ben, je ne vois pas pourquoi je vais rejeter la charge et la responsabilité qui m'est comme en tant qu'homme de communication et artiste international de valoriser le peuple noir. C'est mieux que de rester assis aux Antilles, à New York ou à Paris, et de mettre un boubou, de faire quelques locks et de crier « I am black ». Le débat reste donc ouvert. Pendant ce temps, l'artiste, lui, a résolument retrouvé le chemin des studios. Le prochain Guilou dans les bacs, eh bien, il nous l'annonce pour très bientôt.
Et croyez-moi, j'espère qu'il va imposer le respect à ceux qui ont osé. Ceux qui ont osé s'exprimer précipitamment sur ma fin prématurée ou je ne sais sur quelle autre formule pour expliquer que je m'étais donné à une religiosité excessive qui m'avait ravi l'aspiration initiale. Non, pas du tout, il ne s'agissait pas de ça. C'était un stand-by. Et pour ceux qui ont de la vie artistique, elle suit son cours. On est allé. Nous ne t'avons pas oublié.